Déménageons. Un petit livre d'or aux éditions des deux coques d'or. Déménageons par Jeannette Dereng. Texte français de M. Le Guin. Image de Joe Kaufman aux éditions des deux coques d'or. De 1972. Jacques était heureux là où il vivait. Il aimait sa maison, son jardin, son pommier. Il aimait ses petits amis. Et par-dessous tout, il adorait Ursula, sa tortue. Et pourtant, ce jour-là, il devait déménager. « Je ne peux pas abandonner mes amis, » dit Jacques à sa mère. Puis-je les emmener avec moi ? Non, tes amis doivent rester avec leurs parents, répondit sa maman, mais tu peux emporter Ursula. Jacques se sentit un peu moins malheureux. Les déménageurs arrivèrent. Pour ne pas gêner, Jacques s'assit avec Ursula sur une branche du pommier. L'heure du départ approchait. Jacques déposa Ursula au pied de l'arbre. « Adieu maison, adieu jardin pommier, adieu mes amis, allons, viens Ursula. » Mais Ursula avait disparu. Tout le monde se lança à sa recherche. Ursula ne voulait sûrement pas déménager. Elle demeura introuvable. « Allons, en route, » dit le papa de Jacques, « tes amis s'occuperont d'Ursula. » « À tout à l'heure !» crièrent les déménageurs. « Au revoir tout le monde !» cria Jacques. « Au revoir Ursula, où que tu sois !» Et Jacques s'en alla tristement. On arriva à la nouvelle maison. Elle ressemblait à celle que Jacques avait quittée. Il y avait aussi un jardin et même un arbre. « Si seulement Ursula était là !» se dit Jacques. Je serai heureux comme autrefois. Bientôt, Jacques sentit qu'on l'observait. Des ombres bougeaient derrière la haie. Il aperçut une tête, puis une autre encore. Ouh ! Fit Jacques, mais personne ne lui répondit. Jacques grimpa dans l'arbre et examina les garçons et les filles. Il ressemblait à ses petits amis. Les déménageurs arrivèrent. « Nous avons une surprise pour toi, » dirent-ils. Les enfants s'approchèrent pour voir la surprise. C'était Ursula. Les déménageurs l'avaient retrouvée. « Ursula est formidable, » dit Jacques. « Elle sait tout faire. Elle marche sur les pattes de derrière. » Elle porte des bâtons. Regardez-la. Bravo, Ursula, crièrent les enfants. J'aime notre nouvelle maison. Nous y serons très heureux avec nos nouveaux amis, n'est-ce pas, Ursula ? Demanda Jacques. Et Ursula répondit : Oui, bien sûr. C'était Déménageons, un petit livre d'or. Aux éditions des deux coques d'or.